que vous allez bien, c'est Angel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte d'un jeu appelé Draw a Stickman Epic. C'est un jeu qui m'a vraiment tapé dans l'œil sur Steam et qui était vraiment innovant je trouve, tout particulièrement parce qu'il repose sur l'imagination et aussi sur le fait qu'on peut dessiner absolument tout. Comme son nom l'indique, en gros on va devoir dessiner un héros et ce personnage va devoir évoluer dans une quête qui va être commune à tous les autres joueurs. Je vais commencer par dessiner mon héros, on verra ce qui se passe après. Donc je vous fais une petite avance rapide sur le dessin. Je ne compte pas faire un dessin super détaillé vu que c'est un stickman, donc c'est vraiment la simplicité même du dessin et parfois même... des choses complètement stupides ou moches, et ça peut faire rigoler. Donc j'ai déjà une idée d'un bonhomme, et je vous verrai bien ce que ça va donner. Je lui donnerai un petit nom après, je vous donnerai le nom que je lui ai donné. Bon allez, à tout de suite. Nous voici avec El Ninja de la moustache. Non, je sais pas. Le moustacho, je sais pas. Peut-être El Moustacho. Et donc, touche sur n'importe quel machin pour me déplacer. Ok. Donc là, il se déplace. Waouh, je me déplace. Je suis tellement réaliste avec mes cheveux. Ah, monsieur moustache, qu'est-ce que tu es beau. Attends, je vais aller vers le bas. Non, on peut aller vers le bas. Donc, je sais. Touche le crayon, bonhomme, bâton. Et dessine-moi un autre pote. On va se mettre sur le côté. Et on va dessiner un petit pote. Un petit pote. Alors. J'avais décidé, comme petit pote, de faire Lara Croft. Ne vous posez pas la question. Ça peut être drôle. On va l'appeler Lara Crab. Non, on va l'appeler Crabcha. Allez, Crabcha. Oh mon dieu, Crabcha. Oh putain, Crabcha. Allez hop, Crabcha. Oh mon dieu, elle est horrible. Oh mon dieu. Le moustacho. Ah, mais viens. C'est horrible, allez, viens. Je dois trouver Crabcha. D'accord, on va trouver Crabcha ensemble. Ok, à la recherche de Crabcha. Oh mon dieu, c'est horrible. Bon, alors, j'avais été que jusqu'à là, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, El Moustacho, on va aller chercher Crabcha. C'est parti. Chargement. Comment utiliser le crayon feu? Touche le crayon feu et dessine du feu pour brûler les obstacles. Du
dessine du feu. Du feu. Walala, du feu. Non, c'est moche. Attends. Non, c'est complètement moche en fait ce que je fais. Le feu, c'est comme ça. Et ça fait. Ouais, on dirait plutôt un truc de merde là. Allez, on fait ça et hop là. Et... avec les petites pépites, les pépites de flamme. La blague. Je fais les pépites parce que ça explose, c'est du feu. Wouh, c'est la magie. Voilà. Bah, c'est complètement moche en fait. Attends, je fais un truc un petit peu plus sympa. Voilà. Ah mon dieu, ça brûle, on avait les pépites. Faut que je passe, c'est ça. On y va. C'est parti. On doit dessiner à chaque fois une nouvelle flamme. Oh. Je me suis brûlée avec moi-même quoi. On va passer par là. Ouais, on prend la porte. Tu as débloqué le passage des tatueurs. Le respect des lapins. Succès débrouillé. Et j'ai pas vu les lapins moi. Ah, on pouvait brûler les lapins. Ça c'est intéressant. Ok. On y va. Donc on est ici. Là il faut brûler du feu. Enfin, faut brûler du feu. Faut dessiner du feu. Au début, je faisais des flammes, elles étaient bien. Et maintenant, c'est moche. Mais oui, mais bien sûr. Oh, mais je fais mal. Ah mon dieu, je fais un bruit, le petit canard. Ok, dessine du feu. Oulili doudou. Doudou doudou doudou. Du feu. Ah mon dieu, je vais me brûler. Est-ce qu'on peut mourir dans le jeu? Ce serait rigolo. Encore du feu. Mais ça nous apprend à dessiner du feu ou c'est quoi le bordel? On dirait rien là. On dirait un gros caca boudin. Et je suis mort. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu, je me suis pété mon personnage! Allez, on va faire un feu comme ça. Mais! Comment tu fais pour brûler, espèce de gros tas de merde là? C'est pas vrai ça. Un gros tas de merde. Je suis morte dans un jeu où on ne doit pas mourir. Ah là 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 là. Je suis vraiment une phénomène. Un phénomène international. Alors, on va. Tu te cales là. Tu te cales très loin du feu. Je vais dessiner un truc qui ressemble à rien. Il est génial, El Mustacho là. El Mustacho. Attends. Je ne vois pas là, je ne vois pas où je suis, je ne vois pas ce qui se passe dans la planète. Un petit lapin. Qu'est-ce qu'il dit le lapin? Oh, une note. Tu as trouvé une page. Quand tu auras fini ce niveau, retourne sur l'écran du livre et appuie sur le bouton page pour les lire. C'est très intéressant tout ça, faut dire. C'est très 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 intéressant. Donc on doit revenir en arrière. Donc j'ai fait tout ça pour prendre une page. C'est vraiment intéressant. Oh là là, on peut faire un petit feu de camp. Attends, je vais faire un petit feu de camp. Petit feu de camp. Petit feu de camp. Mais t'es complètement stupide, toi, tu vas dans le feu, toi. Tu trouves ça drôle. Oh, elle a une baballe. Tu as trouvé ton premier pote coloré. Il y en a un caché dans chaque niveau. Va sur l'écran pour redessiner un bonhomme pour utiliser tes nouvelles couleurs. Quoi? J'ai envie de dire fuck you and my cat. J'ai envie de le dire. Vas-y, casse-toi. Tout va brûler, c'est génial. Waouh, ça brûle. Wouh, mon dieu, qu'est-ce que je suis nulle. Il va passer comme ça. Mais comment c'est possible? Je ne marche pas dessus. Eh ben en fait j'étais pour rien. Oh mon dieu, j'ai été pour rien. J'ai déjà la page. Allez, dessine. Allez, ma petite pote. Allez, Mustacho. El Mustacho la ninja. El Mustacho le ninja. Oh, Crapcha. Elle est là. Oh, c'est le méchant. Dommage qu'on peut pas le dessiner. Je n'ai pas la seule personne avec un crayon magique. Moi, ha. Oh mon dieu, il m'a dessiné un truc trop badass, le mec. Au secours!
Allez, brûle. Brûle en enfer, sale con de merde. Brûle en enfer. Peut-être que je dois avoir un combat épique avec cette personne. Qui m'a l'air au demeurant fort sympathique. Oh putain de merde. Mais c'est un malade ce mec. Mais tu es un malade petit Wistiti là. T'essaies de me tuer. Allez, prends ça dans ta gueule. Allez, allez, c'est ça qu'il faut faire. Faut que j'aille là. Ok, c'est parti mon kiki. On y va les amis. J'ai rien compris à ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Comment utiliser le crayon nuage? Dessine un nuage pour le faire pleuvoir. Dessine un nuage sombre pour créer la foudre. C'est bien ça. Attends, je vais l'utiliser pour un bon truc parce que là, il y a Monsieur l'abeille. Alors, c'est quoi l'astuce avec le dessin nuage là? On est censé faire quoi avec tout ça? Non, je ne crois pas que c'est par ce chemin. Ce chemin ne sert à rien pour El Mustacho. Maqué. El Mustacho. Alors, il y a plein d'abeilles. Si je dessine un nuage colorié de lin. Ah ben d'accord, elles sont pas contentes. Mais j'ai un style. Succès, s'il te plaît. Si je fais un nuage trop mignon. Est-ce qu'ils sont contents? Ils ont l'air contents. Mais ta maman? Ah, c'est des méchantes. Il faut les tuer. Moi, je dis les abeilles. Ça, c'est la mort. Alors, attends. Tu sais quoi, hein, petite abeille de merde, là? Je vais te tuer. Tu vas mourir. Merde, elle a vu que c'était moi. Elles sont vachement intelligentes, les bougres. Petite salopiote. Est-ce que si je te mets un petit truc sympathique, que tu m'aimeras bien peut-être avec? Si je te fais un petit wouh comme ça. Est-ce que tu aimes bien ça? Elle a l'air de bien aimer. Oh, ah bonjour les petits lapins. Vous avez un truc fort sympathique. Oh, je vais faire pousser du maïs. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je suis Jésus. Jésus-Christ parmi nous. Il s'appelle El Mustacho. Maqué. El Mustacho est là. El Mustacho sera toujours là. Oh mon dieu, j'ai fait tomber les carottes. Une pièce de puzzle. Où le puzzle? Tu as retrouvé ta première pièce de puzzle. Il y a une pièce de puzzle cachée dans chaque niveau. Trouve-les toutes pour débloquer quelque chose de génial. Oh mon dieu, ça a l'air trop bien. Voilà, attends. Si je... Waouh, je fais un gros nuage trop beau. Et en plus, je le fais. Mais en plus, il y a une gestion de profondeur que j'ai absolument rien compris, quoi. Tu dois être content, monsieur le lapin. Tu as un petit chien tout propre. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, là? On fait rien, là. Ah oui, il y a le coup des abeilles de merde, là. Qui me font du caca, là. Vas-y, je vais vous tuer. Oh merde, merde, elles sont là. Oh mais je suis coincée dans un El Mustacho est coincée dans un caillou. Qu'est-ce que... Attends, à quoi ça sert ce truc? Si on fait un petit... Oh! Oh mon dieu! El Mustacho ici, il fait de la merde. Non, allez on y va! Allez on y défend! Alors. On va rentrer dans le château fort de la madame en détresse. Oh, il y a Frankenstein! Regarde Frankenstein! Prends-toi ça dans le... Oh mon dieu, je l'ai cramé, Frankenstein, là. Le pauvre. Ah, je crois qu'il faut que je mette comme... Ah, mais c'est Frankenstein. Je vais me mettre sur le radeau. Si je me mets sur le radeau et que je coule avec... Est-ce que je peux couler avec? Oh mon dieu, je bouge avec. Oh mon dieu. Oh, c'est génial. Oh, un truc par terre. Je sais pas ce que c'est. Mais je l'ai pris. Oui. Oui, bien sûr. J'ai fini. Oh là là. Troisième niveau. Mais qu'est-ce que c'est bien. Il faut que j'aille là. Bon, allez. On fait encore ce niveau. On va apprendre encore des choses à faire. Oh, j'ai les deux crayons maintenant. Ça, c'est... Oh, putain.
ton dieu, il est méchant, lui. Tu vas voir, monsieur, moi j'ai le pouvoir de la foudre dans ta gueule. Va te faire enculer. Voilà. Oh, une pièce de puzzle. Je peux pas la prendre. Alors, le feu me touche au haut de ma tête. Mais la pièce de puzzle, avec le haut de ma tête, je ne peux pas l'attraper. Logique des jeux vidéo. Mais moi, je suis aussi au taquet, moi. Moi, je suis au taquet. Merde, j'étais au taquet. Oh, mais ta bouche, mais qu'est-ce que tu peux la fermer, ta bouche, toi? Attends, toi, tu vas pas me saouler longtemps. Mais non, mais moi, je veux pas dessiner un nuage, là, tu as pas vu? Tu as pas vu tellement c'était beau? Tu as pas vu la beauté de mon dessin, là? Mais il y avait rien dedans. Oh, mon Dieu! Mais tu es méchée! Allez, hop, 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 c'est fini pour toi. Mais non! Je l'avais pas vu, putain, merde! On va recommencer. Est-ce que ça a sauvegardé? Ok, il est toujours là, le mec. J'avais toujours. Tu sais, la meuf qui a zéro mémoire, c'est la mort. Alors toi, tu es tranquille en train de cracher du feu et tu meurs. Mais non! Mais ils réapparaissent! Non. Si ça réapparaît. Oh mon dieu, c'est horrible ce jeu. Attendez. On va recommencer dans les règles de l'art. C'est pas que c'est compliqué, c'est juste qu'on oublie. Parce qu'ils apparaissent à la dernière minute, les gars, là. Mort instantanée, tu n'as rien vu. Parce que tu es déjà mort. Et comme tu es mort, tu n'es pas vivant. Réfléchissez. Réfléchissez à cette phrase plein de choses. Oh mon dieu, mon dieu. Ah oui, ça me fait mal aussi, ça. Putain, j'avais oublié. Bon. Voilà. Ouais, c'est bien. Mais El Mustacho, il est plus fort que tout. Tu ne connais pas la puissance de El Mustacho. Oh putain. Ah ouais, au bout d'un moment, ça s'arrête, quoi. Je pensais que quand on les brûlait, c'était pour la vie. Allez, allez, brûle, brûle, brûle. Putain, tout lui fait mal, quoi. C'est... En même temps, c'est un peu normal, hein. C'est du feu, quoi. Attends, ça vient pas de faire sortir des toasts, quand même. C'est la nullité. Bonjour, je m'appelle Nullité. Je suis vraiment nulle. Et merde, je fais de la merde en plus. Je fais pas un bon nuage. Moi, je voulais faire un nuage gentil. Le nuage gentil. Et oui, c'est un nuage gentil. Tu ne m'as pas vu. Par contre, si je passe par là, c'est pas une bonne idée là. Ah oui, je l'avais pas vu celui-là en plus. Hein. Vous avez vu le putain de bordel de nouilles de merde là? Vous avez vu celui-là? Vous avez vu sa gueule? Vous avez vu comment il était? Par contre, j'ai tué un pauvre petit machin innocent. Ah si, ça marche! Je suis nulle en fait. J'avais pas vu le petit feu de camp en bas. Et ouais. Ça, c'est la puissance. Et on passe tranquillement en frôlant les murs, là. Nous, on s'appelle Matrix et compagnie, d'accord. Donc, on va remettre du feu. Mais non! Oh non! La dégoûtanterie de la planète Terre, quoi. Alors, hop, 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 allez, hop, 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 c'est bien. Passe, 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 passe. Ah, il y a monsieur, monsieur, il est là. On va laisser là parce que c'est un gros con. On va faire ça. Hop. Les fails. Et on fail. Oh, il y a toujours monsieur. Ben, on va le laisser là parce que. Moi, je dis peut-être il a une importance dans le jeu. Et ouais. Ouais, je passe en mode freestyle. Vous avez rien vu, hein, vous avez rien compris. Hein.
ça, c'était la beauté du geste. Alors, on va faire un méchant... Ok. Mais en fait, on doit... C'est juste pour aller voir ce machin, bordel, truc qui est moche, là. Putain, mais qu'est-ce que c'est de l'arnaque, ça? C'est de l'arnaque remboursée, j'ai envie de te dire. Allez, hop, 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 hop. On y va, on y va, on y va, on y va. On va maximum, on peut pas appuyer sur shift. Non, ça joue qu'au clic. C'est génial. En plus, il y a monsieur truc, là, qui me fait chier. Alors, attends, je vais mettre le feu, je vais allumer le feu. Et je vais éteindre le feu avec un joli nuage tout mignon. Parce qu'il est trop mignon, le nuage. Merde! Putain, mais je vais te tuer. Attends, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Il y a méchant truc, là. Méchant truc. Mais non. Pourquoi tu me fais pas un beau petit truc? Badabadabadabada. Moi, je dis, il est méchant, lui. Il ressemble pas aux autres. Ouais, voilà. C'est là que je m'étais fait avoir. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ah! Ça, c'est intéressant, dis-moi. Mais il me faut la pièce de puzzle! Bon, bah, je sais pas comment on devait prendre le truc de puzzle. Voilà. Punaise, mais qu'est-ce que c'est intéressant ce jeu, putain. Draw Stickman Epic. Un jeu à conseiller, bien évidemment, mais bon, je fais pas plus haut. Ouh, ça sent le fight. Dessine une clé. Touche-la pour la prendre. Touche une serrure pour la déverrouiller. Donc j'ai trouvé, ça m'apprendra à ne pas lire. Donc on va faire une petite clé, tac. Il faut que j'aille la toucher et que j'aille ouvrir. Je dois tous les éviter? Chaud de bain! Putain, mais c'est chaud! Attends, vas-y, touche la clé, touche la clé, touche la clé! Putain, tu vas mourir comme un con, quoi! Le mec qui meurt. Le mec qui meurt comme un débilos. Allez, on prend la clé. Allez, touche la clé. Allez, touche la clé. Possible. Mais j'ai... Indice. Essaye de pousser le tatueur à brûler la plateforme avec le rocher. Tu as eu. Wopelé. Merde. Il m'a mordu. Allez, viens. Tatueur, viens par là. Viens par là, tatueur, viens. Mais dépêche-toi, mais grouille tes fesses, putain. Allez, hop,
Hop, ça se finit. Avec le feu. Parce que sinon c'est chaud patate. Mais je conseille ce jeu. Si vous voulez un let's play de ce jeu, moi ça me dérangerait pas. Mais voilà, faudrait me le dire par commentaire si ça vous a plu. Bon, j'ai fait un petit peu en mode condensé pour que ce soit beaucoup plus facile, puisque j'ai fail beaucoup de fois. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo découverte. En tout cas, j'espère que ce jeu vous a plu. Je crois qu'il est entre 6€ et... Bon, je sais plus, vers 6€ quoi, donc... Bon, après ça dépend si vous aimez bien dessiner, mais franchement c'est assez cool, même pour ceux qui ne savent absolument pas dessiner, c'est vraiment quelque chose d'assez bien, et c'est vraiment très très dur. Bon, pas plus dur qu'un Super Meat Boy, mais c'est quand même assez dur. Bon, maintenant je vous laisse, et on se dit à la prochaine les amis. Passez une bonne journée, une bonne soirée et jouez bien.